Ce n'est pas nécessairement la fin. Blanche et son prince semblent avoir définitivement scellé mon sort. Montre-leur que tu regrettes tes actes et tout le mal que tu as fait autour de toi. Montre-leur que tu peux changer. Ils te laisseront la vie sauve si tu les incites à se montrer clément. Je t'en prie, mon enfant. Je le jure, je vous présente une complète et totale rétraction. Mes imputations étaient totalement sans fondement, ne constituaient pas une appréciation honnête et n'ont été dictées que par pure malice. Et je regrette profondément toute affliction que mes propos peuvent vous avoir causée à vous et à votre famille. Et je m'engage solennellement à ne pas répéter de telles diffamations sous quelque forme que ce soit. Sur ce, le perroquet me dit, tu viens faire des loopings avec moi? Je lui réponds, je ne peux pas faire de looping. Il me demande pourquoi pas. Je lui réponds, parce que j'ai peur du vide. Il répond, vous? Vous avez peur du vide? Mais c'est ridicule. Je lui dis, c'est peut-être ridicule pour vous, mon coco, mais pas pour moi. Citoyens, j'apporte une proclamation de notre impériale cité. Les Huns ont envahi la Chine. Par ordre de l'empereur, un mâle de chaque famille doit servir dans l'armée impériale. Ils ont terminé leur instruction. Ces gamins ne sont pas plus faits pour être soldats que vous pour être capitaine. Quand le général aura lu mon rapport, vos troupes ne verront pas une seule bataille. Mais ce n'est pas la même chose! Ne voyez-vous donc pas que notre unique enfant a épousé un monstre? Oh, cessez de faire le roi d'opérette. Bien, bien, tout va pour le mieux. Tralali, la l'air, la vie est un jardin de roses. Que peut-il nous arriver de pire? Bonsoir, Harold. Ah! Que se passe-t-il? Rien du tout. Rien, mamie, c'est cette vieille blessure de tournoi qui masticote un brin. je vais lui faire prendre l'air à cette coquille. Monte dans le carrosse. Suis-moi, on va aller vérifier. Non! Si vous avez à vérifier quelque chose, vous irez le vérifier ailleurs. Poison. Nous avons largement dépassé les frontières de la terre des lions. Bec de banane est terrifié. Monsieur Bec de banane, peluche. Et moi, je ne vois qu'une chose. Nous sommes tous les trois en danger. Quel danger? Ne craignez rien. Si ce que le roi soupçonnait se révèle exact, de nouvelles passerelles sont apparues. Vous pourrez les emprunter.